Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25, nous avons tout dit. Prêtez-nous Géo Axor pour un petit chèque, inviter 2-3 amis qui sont bien cagés sur Tandia. N'a pas osé, n'a pas coulé. Film cap fait, film cap fait. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Ça, pas oublier que vous sous Marchandise Haïti. Jodi a la nous va le faire yon ti histoire comme moi t'ai fait déjà et le m'te fait cap commencer channel là en pile nan fanatique t'ai vraiment apprécié ça. Donc m'pense que le nécessaire jodi a la pour nous faire l'histoire encore. Donc nous pral parler du massacre de Persil. Massacre Persil ça c'est à l'époque c'était en 1937 gen un président qui était Rafael Leonidas Trujillo Molina, monsieur c'était président République Dominicaine, c'est lui-même qui t'a ordonné pour yo touyer tout haïtien qui t'a vive en République Dominicaine, surtout dans plantation yo massacre qui t'a baptisé non Koutoua, ça nous relait le couteau. En tout cas, et nous pral vin avec détail yo, monsieur t'a nous pointé chez banon parce que dans date ça t'a gagné environ 20 à 35 000 haïtiens qui ont été tués. OK? Donc ça c'est une c'était vraiment plus gros massacre haïtien que dominicain organisé dans toute histoire de pays ça mes amis. Donc c'était dans date 2 octobre et ça a été fait tout 4 octobre donc 3 octobre toute date jeudi à là donc nous t'a pas samba meneg yo. En tout cas, c'était gros causé. Ça fait triste journée jeudi à là moi-même comme jeune m'a pas prendre de bail qui t'est passé bien qu'il me bout quand même existait même en tout cas c'est vraiment triste. Avant que m'entre dans détail yo m'a dit nous mes amis pas oublier abonner avec channel là et sous t'es gain abonné capable inviter 2-3 moun faire vérifier à droite bouton subscribe ou bien s'abonner cliquer dans cloche là depuis ou elle sous personnaliser retirer le mettre sous toute dès que sous toute ou correct. On rentre dans cause à tout droit. Invitez famille, invitez amis, invitez tout le monde net pour entrer dans bon bois qui c'est Marchandise Haïti parce que donc il y a de nouveaux bail nous pral ajouter une façon pour nous capable toujours satisfaire n'a update bagaille. N'a pas rentré dans détail yo jeune te di ou liya dans date 2 octobre. Donc ça t'est commencé 2 octobre, ça t'est commencé 2 octobre 1937. Gagné yon président qui était sous tête pouvoir en République Dominicaine, monsieur relé Rafael Leonidas Trujillo Molina. Monsieur était ordonné pour yo massacrer tout haïtien dans République Dominicaine. Donc il était ordonné l'armée dominicaine avec civil armée tout avec yo gen manchette nan men yo couteau nan men yo d'ailleurs yo té baptisé massacre ça yo té bal nom Koutoua. Donc c'est comme ça et qui té déroulé principalement dans zone les rivières d'Abonne qui marqué tracé septentrional entre frontières deux pays yo. En tout cas, plus passé 20 000 haïtiens t'es mouri, t'es joué dans l'amour, coupé tête, massacré, et femmes, et coup garçon, timoun, personne pas t'épargné dans date ça. C'est pour ça, pas j'aime fait encore. C'est pour peuple haïtien, pas j'aime oublier ça qui t'est passé dans l'année 1937, qui fait cent bon samaritain, qui dans Santo Domingo, qui travaille avec frère nous, qui dans bataille dans la République Dominicaine, a commémoré massacre ça, qui t'est fait en partie de 4 octobre 1937. C'est comme ça, docteur Joseph Foblas, qui est responsable Centre Bon Samaritain dans Santo Domingo, avec Damien François, qui est responsable Centre Sapabo, ici, tu as parlé dans une conférence de presse qui a été faite dans Santé Ecuménique, droit pour tout le monde, qui est dans l'avenue des Marguerites, journée mercredi 7 octobre. C'était à partir de 4 octobre 1937 que le généralissime Rafael Leonidas Trujillo a ordonné l'armée dans la République Dominicaine pour assassiner tout haïtien, tout le monde noir qui n'a pas de cap prononcer le mot Perehil, ça veut dire Persil. Depuis qu'on a des difficultés pour te prononcer, il dit que c'est haïtien lié au massacre. Un massacre qui, jusqu'à présent, 50 ans après, pas aucun historien qui trouvait justification pour massacrer. Il mettait sous deux problèmes économiques, mais il mettait surtout sous deux problèmes affaires racistes, problèmes couleurs, qui fait Trujillo a ordonné le massacre. Un massacre dans la République Dominicaine, il y a des secteurs qui
qui au pouvoir qui pas ta remen que ta vinn l'ouvri liv ça. Dans pays République Dominicaine li même gen pile activité qui prévoit dans occasion ça toujours d'après centre bon samaritain qui a travaillé l'autre bois mais gen en pile dossier tout qui sorti gen livre tant pour la matin ça de los haitianos qui écrit sous massacre ça qui était fait. Pas bah ici pas tellement gen pile bagaille qui était écrit sous massacre ça mais gen quelques monde qui était vivre massacre ça mais en pile fois situation politique pas bah ici avec situation la misère fait en pile monde gen tendance pour oublier bagaille qui était passé depuis quelque temps. C'est pour toute raison ça yo qui fait que yo veulent pour jeunesse qui a grandi demain songer qui ça t'est passé. C'est ça qui fait centre bon samaritain entreprendre pour toute période ça arriver jusqu'à 6 janvier pour yo capable parler de affaires ça dans oreille tout haïtien pour pas oublier dans oreille ti moun tout cap grandi pour compte côté au sorti côté au rivé qui côté au parler. Entendez qui activité yo prévoit pour période ça qui a fait dans occasion massacre ça qui gagne 50 ans pour elle là. Nous voulons avec événement ça yo avec réflexion ça yo en fait porter tout public haïtien quel que soit secteur là à une réflexion sur situation haïtien dans le pays panyol. M'a passé la parole à monsieur Damien François qui lui-même déjà penché sur question et qui gagne pour coordonner certaines activités pendant une période qu'après qui commençait depuis 1er octobre là et qui a fini jusqu'au début de janvier 6 janvier côté date que nous avec Vincent te signé accord confié l'eau que Vincent peut recevoir l'argent qui équivaut environ à 45 centimes pour chaque haïtien qui a été tué. Bon, ici en Haïti, nous essayons de faire un pile bagaille à la mesure de possibilité nous pour nous si jour 4 octobre là qui joue tout y a été commencé massacre là en République Dominicaine, si joue ça t'as capable de toujours souvenir pour tout haïtien. C'est peut-être ça nous essayons d'entrer en contact avec organes de pression. Nous sommes entrés en contact avec l'église, nous demandons pour jouer ça, nous sommes capables de célébrer une messe de souvenir pour tout le monde qui était massacré en République Dominicaine. Docteur Foblas dit à peu près 30 000, il a dit 30 000 paysans, il ne faut pas oublier que dans le monde, il y a des gens qui étaient massacrés, des femmes qui étaient massacrées tout dans le bagage en 1937. Nous avons touché la conférence haïtienne des religieux. Conférence épiscopale d'Haïti, nous avons essayé de toucher presque en pile dans le curé paroissiaux pour être capable de consacrer ça comme journée de souvenir. D'autre part, nous avons essayé de faire un article paraît, qui paraît jeudi dans la nouvelle ce matin, qui s'appelle le massacre des Haïtiens en 1937. Évidemment, recherche yo difficile parce que ici là nous pas grand pile documentation, grand pile documentation qui n'accessible pour nous mais avec ça nous te joignons, nous te font article au moins pour nous rappeler que drame ça nous pas capable oublier li, c'est une partie importante dans l'histoire nationale d'Haïti, c'est un drame qui son passage qui sont intermédiaires malheureux dans bagaille migration haïtienne non et leur migration ça a continué et eh bien obligé penser à bagaille ça que il capable toujours arriver encore. N'a continué de travailler ça toujours pendant tout le mois d'octobre là, et peut-être pendant l'année 88 là tout parce que bon concours de peinture que nous lançons et dernière date pour peinture qui est intéressée à présenter peinture pour commémorer événement ça et eh bien ça appelle le 31 octobre 1988. Bon concours d'histoire pour que nous t'ai lancé. Évidemment, nous avons une situation extrêmement difficile pour les élèves haïtiens, pour aller dans la bibliothèque. Surtout bibliothèque qui n'est pas facilement accessible. Lorsque une bibliothèque qui est capable de bailler en pile documents sous problème, c'est la bibliothèque Saint-Louis-Gonzague, qui est ouverte entre 8h30 et 11h30 du matin. Or, date ça, l'heure ça, nous connaissons élève de l'école qui est capable de faire recherche sur le domaine, et bien, il y a l'école. Donc, recherche là pas facile. C'est peut-être ça, nous reculer limite. Pour élèves qui sont intéressés, on va remettre au travail qui parlait de massacre dominicain, massacre haïtien au 30 juin 1988. Et le plus possible, chaque fois que nous avons l'occasion, aller dans la section rurale. Parce que c'est là le drame dans le drame paysan. C'est parce que le paysan n'est pas capable de vivre sous terre encore. Il est en misère, il n'est pas d'encadrement, ni technique, ni financier. Son groupe complètement négligé. Et bien là, il n'est pas capable de vivre encore sous Timo Sotel Gayan, cherché par tous les moyens qui étaient terre. Et le problème est tellement difficile que un monde prend courage là demain pour l'affronter, retenir dans la mer. Il connaît que l'autre prend quand elle est capable d'arriver à Miami. Donc c'est une solution difficile pour lui. Eh bien, c'est tout problème ça yo qui 50 ans après il a continué toujours pour peuple haïtien. Bon samaritain lui-même qui prend conscience de problème là, a essayé ouais s'il capable résoudre problème dans racine ni, ça veut dire depuis pas bon ici pour essayer ba haïtien petit moyen de vie ça qu'il a cherché, un petit morceau manger parfois par jour à un caill pour le rete. En pile haïtien qui a vécu notre bois, il est retourné gain deux ladder se retourner 35 ans après fin passer dans bataille dans République Dominicaine, pas retourner même avec 10 dollars dans poche et au dit était parti pour être capable gagner seulement 50 dollars par mois pour être capable vivre. C'est drame ça haïtien continuer à vivre et c'est ça tout organisé
organisation qui a travaillé ensemble avec eux constaté l'autre bois désespoir haïtien ça yo qui pas capable rester l'autre bois pas recevoir pas reconnaître comme monde et puis tout qui pas capable retourner vivre la caillou étant donné situation économique catastrophique qui gagne pas ici. C'est pour toute raison ça yo t'a remis que haïtien conscient parce que d'après docteur Foblas Joseph massacre l'a continué toujours dans bataille dans pays République Dominicaine. Massacre là qu'il y a c'est pas tout 35 000 haïtiens mais c'est tout à petit fait en dedans nan yo côté que pas reconnaître comme côté que petit chez pas baptiste le fait dans bataille côté pas gain droit entrer dans l'école et leur malade a jeté au dans canal côté tout que haïtien c'est pas un être humain lié il pas gain droit pour gain un minimum pour les gens dominicains rien c'est toute bagaille ça yo sans que yo pas veulent soulever haine mais yo ta remet gain plus compréhension en deux peuples qui fait que sans bon samaritain ta remet que tout haïtien songe date ça yo date que nous même dans Radio Haïti n'a gagné pour retourner sous période ça qui a débouché jusqu'à 6 janvier date que Vincent a signé contrat ensemble avec tout il yo côté t'a accepté yo bay 45 cob pour chaque tête haïtien que t'a coupé dans massacre ça yo histoire qui l'aide en pile mais histoire qui due en pile pour peuple haïtien. Nous même dans des émissions spéciales dans Radio Haïti, nous va gagner pour nous retourner sous époque ça que aucun haïtien pas gain droit oublier. En tout cas, monsieur T, nous t'attendez, nous t'attendez Liliane Pierre-Paul. Voix Liliane Pierre-Paul, l'été enregistré dans l'année 87, moi c'est que et ça fait déjà en pile temps plus que 30 ans et depuis que Liliane t'a fait reportage ça, me fait nous suivre, me fait nous vivre li yon façon pour nous t'être capable gagner une idée de plus de massacre ça lui-même yo t'ai fait en République Dominicaine côté yo t'ai massacré en pile haïtien. Dans sens ça, monsieur t'ai que en pile haïtien yo capable rappeler ou des dates ça, nous pas obligé à parler de l'autre bagage aujourd'hui à là pour nous oublier date ça. Donc dans sens ça, moi partager ensemble avec nous yo façon pour nous capable rappeler nous ça qui t'est passé nous et non République Dominicaine surtout sous frontière d'Abonne côté en pile confrère non té mouri massacré maman de côté droit de l'homme pays à l'époque mes amis en tout cas ou même qui t'a regardé vidéo sont capable toujours quitter un commentaire dit qui sont pensé par rapport avec qui massacre ça qui t'est passé. En tout cas, bye bye tout le monde, rendez-vous à la prochaine pour yon lot news. Pas hésiter à partager vidéo ça et yon façon pour capable faire un peu l'autre haïtien découvrir l'histoire pays. Bye bye.